Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Ça, c'est moi, il y a 60 000 kilomètres. Essayez dans l'autre sens pour voir. Ah, c'est mieux comme ça. C'était mon premier périple, mes premières émotions, à peine 3 ans plus tôt. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, j'étais pas très heureux. Pourquoi ? Eh bien, certainement parce que j'étais en train de tourner la page de 15 ans de ma vie. 15 années à faire de la musique, à me rêver en rockstar, à jouer de la guitare tous les jours et à fantasmer d'un idéal. J'étais tellement dévoré par la passion que j'ai fini par me convaincre que seule la musique pouvait répondre à l'immensité que j'attendais de la vie. J'ai toujours fonctionné comme ça. Si je le sens pas dans mes tripes, eh bien, je le fais pas. Vous vous rendez compte, je m'étais mis tellement de pression sur les épaules qu'elle avait fini par me bloquer et m'empêcher d'avancer. C'est pas censé se passer comme ça. Du coup, face à ces montagnes, j'étais tout juste en train de prendre conscience que cette partie de ma vie avait été un mensonge, que je ne monterais plus sur scène et que mon idéal a bien existé, mais que dans mes rêves. Vous voyez, pour moi, avoir une passion, c'est aussi important que de marcher. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais le bonheur d'aller dans la bonne direction et de savoir qu'on est à la bonne place, je crois que ça n'a pas de prix. Je savais que j'avais besoin de changement, mais j'ignorais alors complètement que lorsque j'ai acheté cette moto, j'allais écrire le second chapitre de ma vie. Et depuis ? Eh bien, depuis, j'ai jamais arrêté de rouler. Pendant un an, j'ai parcouru le pays de long en large sur des milliers de kilomètres au guidon de ma moto Sophia. J'ai revu plein de potes et j'ai découvert des paysages dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence. J'avais pas de budget, un équipement pourri, mais je m'en foutais. L'important, c'était de rouler. Cette moto m'a donné l'opportunité de retrouver quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, une reconnexion avec ma famille. Cette nouvelle liberté à deux roues m'avait poussé à rendre visite, à chaque fois que je le pouvais, à ma grand-mère de 87 ans en Normandie. Plus j'y allais, et plus je me prenais de passion pour cette terre rampée d'histoire, à tel point que cette région est aujourd'hui devenue un symbole indissociable de ma moto. Grâce à ça, j'ai pu rouvrir des pages de mon passé et comprendre enfin pourquoi j'en étais arrivé là. Plus tard, les mois, les kilomètres et les aventures défilaient et je trouvais ma voie petit à petit. À un moment, j'ai eu l'opportunité de rouler sur une moto bien différente. Une espèce de gros tank sur deux roues, taillé pour faire des bornes. Mais après des milliers de kilomètres au guidon de cette nouvelle bécane, les choses ont commencé à changer le jour où je me suis rendu compte que j'avais presque oublié Sophia. Stockée chez ma grand-mère à l'abri des regards, j'avais au fil des mois pris mes distances avec elle. Mais loin d'aimer cette situation, après plusieurs semaines à peser le pour et le contre, j'ai pris la décision de m'en séparer, mais à l'unique condition que ce soit pour l'offrir à quelqu'un. Détenteur du permis depuis plusieurs années, Florian est un étudiant de 24 ans. Et on le sait tous, quand on est à l'école, on n'a pas forcément les fonds pour se payer une moto. Du coup, il n'a malheureusement jamais pu accéder à ce rêve. Un peu réservé au premier abord, j'ai trouvé chez ce petit gars une simplicité et une spontanéité qui m'ont convaincu tout de suite. Alors là, vous vous dites, mais tu vas vraiment lui offrir la moto juste comme ça ? Eh bien, pas vraiment. La moto, certes, mais il y avait une condition. Si tu prends la moto, tu pars avec moi traverser le pays pour ton tout premier road trip. Et devine où on va ? Eh oui ! Pour sceller notre pacte, je tenais absolument à l'emmener là où tout a commencé pour moi et Sophia. Il restait seulement quelques détails à réparer, une route à tracer, et quelques semaines plus tard, le départ était imminent. Nous sommes en guerre.
Bon, là je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais tout le monde a disparu. Du jour au lendemain. La société entière s'est mise sur pause. Il n'y avait plus personne dans les rues. J'avoue que j'ai pas vraiment compris. Peut-être que les gens se sont mis à adorer rester chez eux, va savoir. Quoi qu'il en soit, j'ai retourné l'histoire 100 fois dans ma tête, mais je devais me rendre à l'évidence. C'était impossible de partir dans ces conditions. Alors, on a fait comme tout le monde, on a stoppé et on a attendu. Quelques mois plus tard, alors que nous avions projeté de partir en été, une autre nouvelle vient encore une fois tout bousculer. Je suis parti visiter et filmer 6 régions, et c'était ce qui pouvait m'arriver de mieux après cette période très bizarre. C'était aussi enfin l'aboutissement de ce que je voulais faire depuis le départ. J'étais seul sur les routes pendant 3 mois avec mon sac à dos et ma caméra. J'ai vu le Mont Alsacien, ma belle Normandie, le froid de la route des Grandes Alpes, les plages roses de Camargue, les druides bretons et les incroyables Cévennes. 10 000 km à découvrir des endroits magnifiques qui m'auront amené à concrétiser 3 années de travail intense. C'était le meilleur scénario possible. Quand moi et mes frères étions enfants, faire 9 heures de route dans un Renault Espace sans se chamailler relevait de l'exploit. Pourtant, la musique de mon père dans le lecteur CD et l'idée de passer un séjour chez ma grand-mère faisaient toujours passer le trajet plus rapidement. J'ai un peu de mal à le dire, mais c'est lors d'une douce nuit d'été, entourée des siens, que ma grand-mère s'en est allée. Il aura fallu attendre près de 20 ans pour qu'elle aille revoir Jackie, mon grand-père dont j'ai fait icône. Un homme simple qui a bâti sa maison de ses propres mains. Elle se confia avec toute sa pudeur et ses derniers mots furent lourds de sens. Maintenant, je veux rejoindre ton grand-père. Je me rappellerai toujours des aboiements de son chien en guise d'accueil. Le son du bois brûlant dans la cheminée et du sifflement du vent s'infiltrant à travers la baie vitrée. D'un accueil toujours chaleureux, j'ai pu ces 4 dernières années profiter d'elle au maximum et lui montrer ô combien son foyer a de la valeur à mes yeux. Je savais pertinemment qu'elle ne serait pas éternelle. Tout ce que je voulais, c'était pouvoir la laisser partir lorsqu'elle en aurait fait le choix, sans jamais avoir de regrets. Tu as su mettre du bonheur dans mon regard de petit garçon, tu m'as offert de la chaleur, et c'est énorme. It took a while, but hope got it right. Ooh, 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 now you'll be loved each day and each night. Même si ton départ est d'une rare violence, je ne peux m'empêcher de constater que tu me pousses à dire adieu à cette dernière part d'enfance qu'il y a en moi. Sache que je prendrai soin de ton histoire sans jamais la déshonorer et que la Normandie sera toujours pour moi synonyme de toi. Et par pitié, quand tu verras papy, dis-lui de venir réparer le tracteur et ranger l'atelier. Ça te fera un peu moins de boulot et tu l'as bien mérité. Now you'll be loved each day and each night, Monday through Sunday for the rest of your life.
ce moment précis, je comprends que je suis à un carrefour de ma vie. Je savais pertinemment que la moto pourrait m'aider à surmonter cette épreuve, alors, quoi qu'il arrive, il fallait que je remonte en selle. Après des mois et des mois de retard, je devais absolument emmener Florian dans le sud. Alors, après avoir fait les derniers réglages, reçu le matériel manquant, nous finissons enfin par enfourcher nos motos et nos équipements pour une traversée de la France par des températures qui atteindront moins 10 degrés. Direction les Pyrénées. Après plusieurs centaines de kilomètres et des pieds glacés, nous faisions un premier arrêt dans un lieu un peu hors du commun. Il y avait une maison à la chaleur unique et rare qui nous donnait envie de tout, sauf de la quitter. Du père à la mère, en passant par les enfants et les copines des enfants chez eux, la moto, c'est une histoire de famille. Leur garage recelait de trésors qui transpirent l'histoire, la passion et que l'on rêverait tous de posséder un jour. Dans la fratrie, il y a Tom. C'est un des meilleurs amis de Florian depuis l'école. C'est précisément leur rencontre quelques années auparavant qui donna le virus de la moto à mon compagnon de route. Je m'étonne de constater que s'ils ne s'étaient pas connus, Florian ne se serait jamais mis à la moto et je ne les aurais moi-même jamais rencontrés. Alors quand il m'a demandé la faveur d'aller les voir, faire étape dans la Sarthe était plus qu'une évidence. Le lendemain, nous reprenions notre descente dans un froid glacial sans jamais oublier notre but. Arpentant ces routes particulièrement calmes, je pense souvent à ce que doit ressentir Florian qui vit là, ses premiers instants sur la route. J'espère qu'il a conscience que ce sera son unique première fois, et je ne peux m'empêcher de me projeter et me voir en lui 4 ans auparavant. Après encore plusieurs heures de route par des températures négatives, nous sommes accueillis chez Benoît à Toulouse. Lorsqu'il a vu que nous passions par chez lui, il nous a tout de suite proposé de nous héberger. Il faut vraiment que je vous parle de ce gars dont j'ai récemment découvert les aventures. À seulement 19 ans et contre toutes les pressions de son entourage, il est parti traverser la Nouvelle-Zélande avec un DR600 de 1985 et son sac à dos. Au-delà du fait qu'il ait sillonné ce pays à un si jeune âge, je dois dire que ce qui m'a marqué chez lui, c'est son état d'esprit. Touchant et positif dans n'importe quelle situation, il a une façon de raconter ses histoires avec une simplicité désarmante. Il me rappelle par ses aventures que seul l'esprit compte. Attentif, nous avons passé la soirée à rigoler, à l'entendre conter ses péripéties, et j'étais très loin d'imaginer ce que le lendemain allait nous réserver. Les montures prêtes, nous partons en direction des profondes vallées pyrénéennes qui ne nous attendaient pas. Oh là là ! C'est magnifique ! Trop beau ! Après quelques heures, le bonheur d'apercevoir enfin ces magnifiques lignes de colosses de pierre était sans pareil. Mon camarade avait encore du mal à réaliser tous ces kilomètres parcourus dans le froid glacial qui n'avait aucune pitié de nous. C'était génial ! Mais malgré tout, je l'avoue, j'avais peur. Pas peur de la route, non. J'avais peur que tout ceci s'arrête. Qu'un jour, la passion de monter sur une moto m'abandonne, comme pour la musique quelques années plus tôt.
qu'il en soit, nous étions à 10 km de l'arrivée. Mais malheureusement... Tu vas retenir la moto là. Voiture qu'elle va pas se péter la gueule. Impec. Ah. Ah. Putain, il neige de plus belle, hein. La neige se mit à tomber sans prévenir. C'est bon ? La nuit pointait le bout de son nez. Et il semble que Dame Nature ait décidé de changer nos plans. J'avais bien prévu des équipements pour les pneus, mais honnêtement, je ne l'ai pas senti. Et avec l'obscurité tombant, c'était bien trop dangereux. Quoi qu'il arrive, il fallait prendre une décision tout de suite et que l'on se mette en sécurité. Alors qu'il faisait nuit noire, la lune éclairant les montagnes enneigées nous offrait un spectacle rare devant lequel nous n'avions que pour seule option l'humilité. Je crois que c'est à ce moment précis que Florian a réalisé notre chance. Le casque accroché au sac, 20 kilos sur le dos et armé de nos crampons, j'étais loin de me douter de ce que nous nous apprêtions à faire. Au fil de l'ascension, nos respirations devenaient de plus en plus dures à gérer, et plus nous grimpions, plus j'avais l'impression d'avancer à petits pas. Nos pieds s'enfonçant dans une neige profonde, il était difficile de rester motivé. Entre le poids derrière le dos et le dénivelé n'en finissant pas, j'essayais de ne plus réfléchir en gardant mes yeux rivés vers le sol. Pourtant, je n'arrêtais pas de penser à toute cette aventure. Tout ceci m'a amené dans cet endroit incroyable par moins 10 degrés, et moi qui ai toujours détesté la randonnée. Dire que tout ça est parti d'un simple achat de moto 4 ans auparavant, c'est quand même dingue. Mais après 5 heures de marche, alors que je me perdais dans mes pensées, le bonheur d'apercevoir enfin l'arrivée était sans pareil. J'étais tellement heureux de revoir ces montagnes qui signifient tant pour moi. C'était magnifique. C'est à partir de cet instant que Sophia devient tienne, à partir de maintenant que tu écris ton histoire. T'as été vaillant, souriant, parfois réservé, mais toujours partant. Que ce soit un changement de vie, la disparition d'un proche ou un simple coup de blues, j'ai l'impression que partir à moto est à chaque fois une véritable cure. À ce propos, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais en balade sur les côtes normandes 2 ans plus tôt, un Anglais plutôt intrigué par ma monture m'aborda et vint me faire la conversation. D'un âge mûr et de petite taille, ce que je retiens particulièrement de cette rencontre est une phrase qui résonne plus que jamais dans mon esprit. Sûr de lui, il se pencha vers moi et dit « Tu ne verras jamais une moto garée devant le bureau d'un psychiatre ». Je crois que c'était la meilleure phrase que j'avais jamais entendue. Tellement juste. Et une poignée de main plus tard, je reprenais ma route avec ma moto, direction la maison. Je venais de comprendre que par-dessus tout, la moto n'est pas un véhicule, mais pour toujours, une thérapie. Et rien que pour cette raison, tant que rien ne m'en empêchera, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde, je continuerai inlassablement de tracer ma route.